Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à midi, le live BFM. C'est l'information en question au sommaire ce mardi 2 juin. Bar, café, restaurant, collège, lycée, piscine, plage, musée, transport. La France qui rouvre dans le live BFM aujourd'hui, le début de la phase 2 du déconfinement. Le terrible prix de l'épidémie pour l'économie française, 11% de récession cette année, prévision de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui annonce aussi le début des soldes au 15 juillet. Ils dureront 4 semaines. Et puis, une Bible et l'armée contre la colère des Américains. Donald Trump menace, nouveau testament à la main, d'envoyer des soldats pour mater la contestation. 9h passées, tout savoir, tout comprendre. Vous regardez le live BFM. La France qui rouvre en direct et pendant 3 heures la phase 2 du déconfinement dans le live BFM ce matin. Bar, café, restaurant, camping, piscine, salle de sport, musée, collège, lycée, tout le reste. Reprise à vivre ensemble en temps réel. Toutes nos équipes, vous le voyez, sont mobilisées un peu partout en France pour nous accompagner, notamment, mais pas seulement, Jérémy Brossard, Gaëtan Mélin, Roselyne Dubois. Avant de vous entendre, messieurs, dames, ce qu'il faut connaître avec vous, Sandra Gandoin, d'abord, qu'est-ce qui est désormais permis? Merci d'être avec nous. Bientôt 9h30, le live BFM. Tout savoir, tout comprendre. La France qui déconfine. Bar, café, restaurant, plage, piscine, collège, lycée, musée, transport. Tout ce qui change ce mardi et comment. Nos équipes, vous le verrez, sont mobilisées partout en France. 11% de croissance négative. En 2020, le gouvernement table sur une récession massive cette année et annonce le début des soldes pour le 15 juillet. Ils dureront 4 semaines. En quelques instants, en direct sur BFM TV, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, on l'écoute. Merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble encore une heure, le live BFM. C'est l'information en question au sommaire ce mardi 2 juin. Bar, café, restaurant, collège, lycée, piscine, plage, musée, transport. La France qui rouvre dans le live BFM aujourd'hui. Le début de la phase 2 du déconfinement. Le terrible prix de l'épidémie pour l'économie française. 11% de récession prévue cette année. C'est ce que dit Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Il annonce aussi le début des soldes au 15 juillet. Et puis une Bible et l'armée contre la colère des Américains. Donald Trump menace, nouveau testament à la main, d'envoyer des soldats pour mater la contestation. 11h, tout savoir, tout comprendre. Vous regardez le live BFM. La France de la grande réouverture ce mardi 2 mai, journée spéciale sur BFM TV pour vous faire vivre l'événement. Toutes nos équipes sont mobilisées un peu partout dans le pays, avec notamment des duplex en direct de Paris, mais aussi du Cap-Ferré. Nous serons aussi un peu partout en France. Voilà, tout le monde est prêt. Avant de les entendre, ce qu'il faut connaître, Sandra Gandoin, qu'est-ce qui est désormais permis ? Merci d'être avec nous, il est bientôt 11h30, le live BFM, tout savoir, tout comprendre. Au sommaire aujourd'hui, la France qui déconfine, bar, café, restaurant, plage, piscine, collège, lycée, musée, transport, tout ce qui change ce mardi et comment nos équipes sont mobilisées partout en France. 11% de croissance négative en 2020, le gouvernement table sur une récession massive cette année et annonce le début des soldes pour le 15 juillet. Ils dureront 4 semaines. Et puis, Dieu et armes contre le peuple, le show de Donald Trump, Bible à la main, le président américain promet des soldats lourdement armés pour mater la contestation. Libérée, délivrée, la France n'est plus confinée ou presque. Tout ce qui change en France ce mardi 2 juin, on continue de vous le faire vivre en direct sur BFM TV. Nos équipes sont mobilisées un peu partout. On va rejoindre pour commencer Benoît Ruiz. Le retour à la plage est avec lui ce matin et c'est désormais possible comme avant, Benoît, ou presque.